Même s'il y a des gens qui se disent, oh, je suis chrétien. Non. Parce que les gens pensent, quand ils disent qu'ils sont chrétiens, ils pensent que c'est une manière de dire, je suis moralement bon. Non, être chrétien, d'abord, tu peux l'être seulement si tu es né de nouveau. Et en croyant en Jésus-Christ seul et dans son œuvre. Quand les gens parlent de leurs œuvres, quand ils parlent trop d'eux-mêmes, ils sont en train de souligner un petit problème. Car le vrai croyant, le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu glorifier son Père. Et c'est comme ça qu'on retrouve la vraie raison d'être, qui est finalement des adorateurs de Dieu plutôt que de rester des adorateurs de la créature, comme il y a des gens qui sont des adorateurs d'eux-mêmes au détriment des autres. Paul lui-même nous dit quelque chose d'important. Il a été délivré d'être quelqu'un qui s'adorait. Vous vous rappelez quand il parle finalement aux Philippiens que, parce que malheureusement, même à son époque, il y en a à toutes les époques, il y a des gens qui veulent se distinguer par supposément leur avantage, tiens, dans le sens que c'est très dangereux, là, tiens. Rendons à Dieu toute la gloire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas souvent des gens. Regardez bien, Paul, il dit, je me ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, est salutaire. Pour vous, c'est salutaire. Donc, on doit se rappeler même nous-mêmes. Regardez ce qu'il leur écrit. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Pardon. Et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Donc, c'est vraiment important qu'on se soutienne. Appelons-nous les uns les autres pour s'encourager et puis de voir comment on peut s'aider les uns les autres dans cette période difficile. Entre-temps, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Que Dieu vous fasse du bien. Prions les uns pour les autres et surtout pour notre province, pour notre pays, pour nos autorités civiles, afin qu'ils puissent recevoir du bon conseil de la part de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, tout le monde.